Bonjour à tous. Voilà, je fais une nouvelle vidéo pour vous présenter le site que j'ai créé durant l'hiver de l'an passé. Donc une fois l'inscription faite et une fois la connexion faite, vous allez arriver sur ce genre de page où vous avez la possibilité de vous inscrire à la newsletter. Pour cela, vous inscrivez votre adresse mail ou vous la corrigez si elle n'est pas exacte et vous cliquez sur inscription. Et là, vous serez donc inscrit sur newsletter. Dans mon cas, évidemment, je suis déjà inscrit, donc je tape sur close. Vous pouvez également cliquer sur close si vous n'êtes pas intéressé par la newsletter. Donc close. Ici, vous voyez, vous avez la rubrique météo. Pour moi, c'est une chose très importante pour la pêche, notamment la lune. Où vous avez ici, donc, où il sera indiqué la prochaine pleine lune, le croissant, etc. Donc la lune est remise à jour d'une façon quotidienne. Ici, vous avez la possibilité de choisir la ville de votre choix pour la météo. Si votre ville n'est pas dans la liste, vous m'envoyez un petit message et je vais l'ajouter. Donc, par exemple, pour l'Andely, aujourd'hui, en temps réel, donc il y a quelques nuages, donc entre 11 et 25% de nuages. Le vent est au sud-ouest. La vitesse du vent est de 9 km/h. La nébulosité est de 20%, l'humidité est 48%, etc., etc., etc. La pression atmosphérique pour moi, qui est également quelque chose de très important. Vous pourriez également voir les prévisions pour 48 heures, la prévision pour une semaine. Vous pourrez également découvrir mon histoire en cliquant sur ce lien. Vous pourrez également découvrir la technique, comment je fais sur ce lien. Ici, vous aurez accès à la boutique. Ici aux réseaux sociaux et ici un formulaire pour me contacter. Ici, vous aurez le magazine gratuit. Donc, chaque trimestre, il y a un magazine qui sera dédié à la pêche en général. Donc, pas vraiment à la pêche à la perle, mais à la pêche en général. Ici, vous pourrez poster vos journées de pêche ou vous pourrez découvrir les journées de pêche des autres personnes. Donc, un exemple. Si je clique dessus, vous voyez que vous avez soit un formulaire pour pouvoir remplir votre journée de pêche, soit pour pouvoir accéder aux journées de pêche des autres personnes. Donc, on va faire un petit tour dans le formulaire. Donc, vous voyez, il est déjà pré-rempli. Vous pourrez indiquer votre ville de pêche, indiquer le cours d'eau, indiquer la durée de séance de pêche en heure, indiquer le sort et le nombre de poissons capturés. Une fois que vous avez fini tout ça, vous cliquez sur valider et vous tomberez à ce moment-là sur toutes les journées de pêche. Donc par exemple ici, vous voyez, vous avez, ça sont 2 journées d'essai, mais vous voyez par exemple ici, j'ai fait une journée de pêche le 2 mars 2021 où j'ai attrapé 196 poissons et une journée de pêche le 31 du 3 2021 où j'ai fait 108 poissons. Si vous voulez voir les détails de ces 2 journées de pêche, il vous suffit simplement de cliquer sur la petite loupe. Vous cliquez sur la petite loupe et à ce moment-là, vous voyez les photos qui apparaissent de cette journée de pêche. Donc, pour rappel, vous pouvez faire exactement la même chose en cliquant sur le formulaire de pêche. Donc, vous voyez, le lieu de pêche, c'était la Bidone. Le cours d'eau, c'était la Sambre. La météo, il y avait du vent et du soleil. La technique utilisée, évidemment, la perle, puisque je ne fais que perler. La durée de pêche, 6 heures. Et j'ai pris donc 196 poissons, qui étaient 196 gardons. Donc là, évidemment, je vous laisserai découvrir. Il y a d'autres options. Donc vous pouvez supprimer les images, ajouter des images, modifier des images, ajouter. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc ça, c'est encore une chose. Donc lorsque nous retournons sur l'accueil, tous les mois, je présenterai une astuce également que j'ai trouvée quelque part, qui me paraît assez intéressante pour la partager. Ici, vous découvrirez des articles divers qui parlent également de la pêche à la perle. Donc, ça également, si vous avez d'autres articles qui en parlent, vous pouvez me les proposer afin que je puisse les ajouter et en faire parler à tout le monde. Pour l'instant, j'ai trouvé 3 articles très intéressants qui parlent de la pêche à la perle. Ensuite, vous avez également le coin du débutant. Donc là, j'explique comment débuter la pêche à la perle. Puis, vous avez la réglementation. Vous aurez également la vidéo du mois. Donc, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube qui me paraît très intéressante et dont je vous ferai également partager. Ici, vous avez le livre d'or. Si vous voulez me laisser un petit message, qu'importe soit-il.
Ici, ce sont les sites amis, donc notamment un site qui m'a permis de réaliser ce site. Ici, un sondage, donc si vous voulez, vous pouvez le remplir, ce qui me permet de mieux connaître un peu la personne et de voir un peu ce que je pourrais rajouter sur mon site. Ici, vous avez des questions et réponses, donc là, je vous invite, si vous avez des questions, à les mettre dans cette rubrique, où là, je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Voilà, donc ça c'est la présentation de mon site. Évidemment, il y aura au fur et à mesure des semaines à venir des choses que je vais encore venir apporter, donc du contenu. Donc je compte par exemple faire chaque mois ou chaque quinzaine, je ne sais pas encore, un article sur une question qu'on m'aura posée. Donc il y a pas mal de questions que l'on me pose, surtout au niveau de la cuisson du chanvre. Oui, il y a. Enfin, quelles perles on doit utiliser pour attraper des gardons, quelles perles je dois utiliser pour attraper du carassin, etc. Tout cela, je compte bien évidemment vous l'expliquer dans une prochaine, enfin, dans des prochaines vidéos. Et évidemment, vous en aurez accès via le site. Donc voilà, vous savez quoi faire désormais. Il ne vous reste plus qu'à vous inscrire. Merci pour votre attention. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Et j'espère que cela vous a plu.